Bonjour tout le monde, ici Atland, à nouveau sur Farming Simulator 2013, donc pour la suite de nos aventures agricoles. un peu chiant, c'est que je viens de voir que à chaque fois que je charge le jeu, on pop toujours devant la maison, ma belle petite maison, mais bon, c'est pas grave. Donc, venons-en au fait, nous allons voir tout de suite ce qui a changé. Donc, moi, j'ai pas fait grand-chose hors caméra, hein, j'ai juste laissé, en fait, pousser. Et donc, voilà, donc nous avons un champ, nous avons nos champs prêts à être récoltés. Donc, on va se mettre dans la moissonneuse. S'il te plaît, la moissonneuse. Voilà, merci. Donc, voilà. Démarre. Et oh. Ah. Alors, lag ou pas lag, non, je sais pas, j'ai mal appuyé sur le bouton. Donc, nous allons embaucher un ouvrier pour commencer à moissonner pendant que je vais faire autre chose. Et si jamais je fais pas quelque chose de spécial, je ferai une ellipse. Voilà, pour embaucher l'ouvrier LBRB, ça n'a pas changé. Ouais, voilà, allez hop, et il travaille. Salut. Donc, on va le laisser faire. Ah zut, j'ai mal fait parce que là du coup ça va pas couper ici, mais bon, c'est pas grave. Donc là j'avais dit que je voulais reprendre les outils correctement parce que le tracteur bleu n'arrive pas à prendre le cultivateur. C'est pas pressant, mais c'est déjà ça à faire. Il faudra vraiment que je pense à trouver d'autres tracteurs. Donc voilà. Alors ça va, la moissonneuse est partie dans le bon sens. Oula, ça c'est magique ça. T'as vu ça? J'étais même pas centré que. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Je vais me mettre. Bah écoutez, je vais vous avancer ça en accéléré, et puis on se voit tout à l'heure. Voilà, donc j'ai coupé un peu
la séquence rapide, juste pour vous montrer un petit truc que du coup je viens de m'apercevoir. Donc voilà, ici. Donc vous voyez quelque chose qui confirme donc ce que j'expliquais avant. Donc même quand on est en mode facile, donc nous avons le blé là qui est bon, et ici en fait nous avions c'était un petit morceau de blé qui restait, qui traînait sur le côté, genre comme là-haut on peut voir, parce que des fois en faisant demi-tour la moissonneuse n'arrive pas à le récolter, et donc on voit que c'est devenu blanc, que c'est donc en fait qu'il est fané. Donc petit truc que du coup en m'apercevant de ça, je vais voir du coup remettre donc sur la carte, bon, ça nous le montre pas, mais je vais remettre dans les paramètres. Je vais voir mettre quand même croissance des plantes, nouveau standard. Parce que donc j'ai pas envie de me retrouver pour l'instant quelle couleur a mon champ de colza. Il est vert clair. Ou vert. Non, il est déjà vert un peu comme le reste, je dirais la seconde phase. J'ai pas envie de me retrouver avec mon champ de colza déjà fané, sans avoir fini de récolter le blé. Donc voilà, c'était petite parenthèse, et puis donc je relance la séquence en mode rapide. À tout à l'heure. Et voilà, nous arrivons au bout de ce champ. Alors vous voyez ça, donc si j'ai réussi à vous le faire passer en accéléré, donc je pense que c'est quand même assez long. Oups, on remonte dedans s'il te plaît. Donc qu'est-ce que je fais, je sais même pas comment. Voilà, donc excusez-moi. Donc nous voici, donc nous avons fini de labourer, de moissonner, petit fait. 1, 2, 3. Voilà, nous avons fini de moissonner ce champ. Donc même si c'est en accéléré, ça met un certain temps. Hein, donc avec m'ont donné un gros fail au milieu. Hein. Donc je vais tout de suite commencer à récolter mon colza et labourer le champ qu'on vient de moissonner. Puis je vais aller vider la remorque dans notre grenier, donc dans nos silos. Et puis je pense que je ne sais pas ce que je pense encore. On verra, on va déjà faire ça. Ici, on va réengager Dédé, parce qu'il est gentil Dédé. Dédé, il se plaint pas. Dédé, c'est un bon employé. Et voilà. Donc, au travail Dédé. Et moi, je vais mettre ça dans le grenier. Je sais pas ce qu'ils ont, mes tracteurs. Ils démarrent mal en ce moment. La manette, peut-être elle a un problème. Ce n'est pas grave. Donc, nous y allons. Je vais profiter d'être à côté de mes silos pour aller vérifier si mes poules ont pondu des œufs. Donc je sais même pas comment on les récolte.
je vais déjà voir si on peut voir des œufs. Ah oui, qu'est-ce qu'on voit là au milieu? En plus, il faut aller les ramasser. Donc voilà, donc on va aller récolter les œufs du jour. Je sais pas si ça a une date de péremption. Faut-il aller les revendre tout de suite? Non. Allez, on décharge. Alors, ce petit champ fait presque 5000, presque. Pas totalement. Donc voilà. Je suis un peu fatigué là. Cette séquence d'avoir suivi le tracteur à rien faire m'a légèrement fatigué. Donc vous voyez, hein, dans le jeu, j'ai pas beaucoup de choses à faire pour l'instant, malheureusement. Donc c'est pour ça que beaucoup de choses je les ferai hors caméra. Mais bon, là je voulais vous montrer un peu la récolte d'un champ. Donc comme je suis à côté, allez, pour vous, chers auditeurs et auditrices, nous allons ramasser, faire la chasse aux œufs. Alors, où il est le coq? Je veux pas le coq, j'ai peur du coq, faut pas qu'il m'attaque. Non, je déconne, normalement il nous fait rien. Mais est-ce que ça ramasse tout seul? Oui, un œuf. Alors c'est chouette, on dirait que c'est Pâques. À la recherche des œufs. Voilà. Il faut chercher les œufs dans le jardin. Ils peuvent pas les pondre. Tiens, qu'est-ce qu'il m'a mis? J'ai eu un petit message. X monté dans le véhicule. Ah non, c'est il voit la petite voiturette en fait. D'accord. Donc, alors, c'est comme si c'était Pâques. On cherche les œufs dans le jardin. Alors là, tu vois. Oh, là, il a planqué, hein. Planqué dans les fourrés. Combien ça m'en fait, je ne sais pas. J'ai pas compté. Il dit juste à chaque fois plus 1, plus 1, plus 1. Ouh, c'est quoi ça? Un fer à cheval. Vous avez trouvé un fer à cheval. 99 autres fers à cheval sont cachés dans la région. Et la chance vous sourira peut-être si vous les trouvez tous. D'accord, une petite mission. Dans Farming Simulator 2000. 11, c'était des bouteilles de lait qu'il fallait trouver. Non, des bouteilles, tout simplement, des bouteilles de verre. Des bouteilles qu'il fallait jeter après dans les comment que ça s'appelle? Dans les bacs spéciales là pour le recyclage. Donc là, cette fois-ci, c'est des fers à cheval. Bon, nous allons ramener le tracteur à côté du champ. Je vais dire, j'ai oublié de lancer un fermier, un ouvrier pour labourer le champ que nous venons de cultiver. De cultiver. Ouh là 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 là. Atlante, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je vais laisser parler Dédé parce que là j'en peux plus. Allez, hop. Salut Dédé, explique-nous un peu ce que tu fais. Salut Atlan, eh bien moi c'est Dédé, je suis l'employé et c'est moi qui fais tout dans cette ferme. Et donc voilà, j'ai un patron, il est même pas capable de labourer ce champ lui-même. En plus, il sait pas parler, mais c'est pas grave, moi je suis là, Dédé. Voilà, même Dédé sait pas parler, et en plus ça arrive. Donc je suis dans mon... Je vais embaucher un ouvrier qui va me remplacer et moi je vais aller remplacer mon patron qui est allé se coucher. Et voilà, allez. Alors je vous présente Roger, ça rime avec Dédé, et Roger est mon employé. Et moi je vais de ce pas. Qu'est-ce qu'il voulait faire mon patron? Je crois qu'il voulait récolter les semences. Non, récolter les semences, ça y est, je parle comme lui, mais bon, c'est à force de travailler avec lui, c'est normal. Donc, je vais piquer son tracteur. Il est où son tracteur? Donne-moi ton tracteur. Il est où? Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout le tracteur ici? Mal garé. Putain, celui-là, il sait pas se garer. C'est pas possible. Non, je ne pipe pas nos molles. Allez, on va garer ça correctement. C'est bien. Allez, hop. Hein? Ici, pour faire les choses correctement, faut les faire soi-même. Eh bien, on va y aller. Et d'ailleurs, vous voyez, moi je marche, je fais pas comme lui. Et ben tiens, je vais faire comme lui. Il m'a donné du travail à faire.
Je prends, allez, démarre tracteur. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il entretient très mal son tracteur, celui-là. Hein. Putain, c'est pas possible, ça. Les patrons, tous les mêmes. Non, mais non, d'une pipe en moule. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et waouh. Ça, les amis, c'est du... C'est de la conduite. Je vous défie de faire pareil. Allez, on y va. On est joyeux, on est gai. De toute façon, on est payé pour faire ça. On va se mettre correctement. Et on y va. Et donc, après avoir embauché Roger, eh ben, je vais embaucher GG. GG qui rime aussi avec Dédé. Allez, GG, au travail. Moi, le patron, il m'a dit, j'ai feu vert, j'ai carte blanche, j'ai tout, je fais ce que je veux. Donc, nous allons tranquillement. Alors, on va reprendre le tracteur pour aller voir Roger. Où est-ce qu'il en est avec la moissonneuse. Tum, 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 tum. Et c'est parti. Allez hop, démarre, saloperie de bonsoir. C'est vraiment un tracteur de merde. Mais quand est-ce qu'il va investir, putain, dans des nouveaux tracteurs? Mais c'est pas possible, ça. Et il veut qu'on bosse en plus. Non mais, il devrait le faire, lui, labourer ses champs. Il devrait le faire, lui, cultiver ses champs. Il verra que c'est pas facile d'être paysan. Non, d'une pipe à nos moules. Et quoi? Non, ça c'est pas pour moi, il aura qu'à le faire lui-même. Allez hop, petit demi-tour, on va s'approcher de Roger. Hé Roger, attends-moi. Sors le bras là, que je récolte déjà ce que tu as pris. Allez hop, espèce de feignant, dépêche-toi. Allez Roger, pas que ça à faire moi. Le boss il veut que ce soit fait avant la fin de la journée. Hé oh Roger! Tu déconnes là. Je t'ai dit de partir. Moi je te jure, je te chope, tu vas le sentir passer. Hein. Allez. Roger, si t'es champion, appuie sur le champignon. Bon, Roger, là tu commences à m'énerver, je t'avais dit de t'arrêter. Oh, d'une pipe à nos moules, mais c'est quoi ça? Putain, même les employés, ce sont pas des bons employés. Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, pour être... Et le pire, c'est que je suis simple intérimaire. Bon, hein, dès qu'il n'y a plus de boulot, ils me renvoient. Non, mais j'ai une famille à nourrir. Tu crois que c'est simple, la vie de paysan? Non, alors un paysan intérimaire, je te dis pas. Allez, Rocher. C'est bien, t'étais presque plein quand même. Hein. Voilà, c'est au compte-goutte. Je vais aller me mettre de côté. Si ça te dérange pas, je vais aller me mettre à l'ombre tranquillement. Moi, je te regarde travailler. Je garde mon tracteur. Et je m'allonge. Et je dis, allez, à toi, Roger. J'ai dit Roger, j'ai pas dit Dédé. Donc voilà. Nous sommes en compagnie de... Comment qu'il l'a appelé? De Roger. Donc nous sommes en train de suivre Roger, en train de labourer le champ de colza. Sacré Dédé, va. Celui-là tout le temps à se plaindre. Non mais c'est pas possible. En plus, il est quand même bien payé, il est nourri, il est logé. Bon, d'accord, il dort dans la grange, je comprends, mais bon, après, faut pas écouter tout ce qu'il raconte non plus. Hein. Une famille à nourrir, mais il a pas de famille. Je l'ai recueilli et tout ça, c'était un sans-abri. Je lui ai proposé de venir travailler à la ferme. Voilà, quoi. Faut pas écouter, vous savez, passer à un certain âge. Après. On devient sénile, on raconte n'importe quoi. Et bon. Donc voilà, donc là je suis avec mon ami Roger. Alors Roger, comment ça va? Roger. Parle pas Roger? Ben non,
Roger est muet. Ça, c'est un bon employé. Ne dis rien, gueulera jamais. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment il fait pour exprimer, je sais pas, ses convictions, comment qu'on pourrait dire ça. Ouais, il peut taper sur la table. Ouais, coup de poing sur la table. Mais bon, ça voudra toujours pas dire ce qu'il veut dire. Écrire quelque chose sur... il sait pas écrire. D'ailleurs, il sait pas lire non plus. C'est comme ça que j'embauche mes ouvriers, moi, hein, les illettrés. C'est beaucoup plus facile, hein. On leur fait signer n'importe quoi. D'ailleurs, ils signent une croix. Donc, comme il sait pas lire ce qu'il y a dans son contrat, donc voilà, hein. Moi, je le paye... Il est payé... Je voulais faire un calcul savant vite fait en regardant le décompte de mon argent, mais bon, ils sont quand même pas mal payés, hein, parce que là je vois que ça descend d'un euro, presque un euro et demi la seconde, voire 2 euros la seconde. Donc ayant deux ouvriers à payer 1 euro la seconde, putain. Et après ils osent se plaindre, hein. Regardez, là-bas, le tracteur, là, Dédé, là... à l'ombre. Allez, bon, moi sur ce, je vais vous laisser, je vais faire passer ça en accéléré et on se voit à la fin de la récolte. Putain, ça y est, il est nouveau parti le patron, mais putain, mais il croit qu'on a que ça à faire, c'est pas possible ça. Et voilà, et à cause de lui je sais même pas rouler. Allez, je vais faire le tour de l'arbre. Sérieusement, mais il croit qu'on a que ça à faire, nous. Qu'est-ce qu'il a dit? On est payé combien? 2 euros la seconde. Non, mais il faut qu'il arrête, là. Hein. Eh, t'oublies que t'es sur un jeu, hein. Si ça n'existe pas, ça. Hein. Moi, tu me donnes un boulot à payer 2 euros la seconde, mais je signe tout de suite, hein, mon gars. Hein. Faut pas croire, hein. Moi, je suis pas illettré comme je t'ai fait croire. Hein. C'est faux, hein. Allez, Roger, sors le bras. Sors le bras, Roger. Allez. Il est... C'est pas possible, ça, mais quand est-ce qu'il va vérifier ses tracteurs? Ça veut pas avancer. Bon, allez, moi je vais faire comme le patron, je vais faire le feignant. D'ailleurs, si Dédé ça rime avec employé, Atlante ça rime avec feignant. Ah non, en feignande. Ah, vous avez cru que j'allais faire quelque chose de bien là, hein. Vous avez cru que j'allais aller au silo, ou j'allais rendre vider ma remorque. Et non, je bouffe juste l'essence. Je m'amuse. Il va payer celui-là. Il veut pas entretenir ses tracteurs. Ah ben je vais lui consommer son gasoil. Il a assez d'argent, croyez-moi, faut pas croire. 12 000 euros, faut pas croire. Il a autre chose sur un autre compte. Y a pas que ça. Il en a plus. Il vous dit qu'il peut pas acheter de nouvelles machines. C'est pas vrai. Il a largement les moyens de s'acheter des nouvelles machines. Sauf qu'il préfère nous faire labourer, nous faire... labourer, oui, c'est le mot.
on laboure, on récolte aussi, c'est le mot. Et ils préfèrent nous faire suer au travail et tout ça. Regardez-moi ça, là-bas, il est GG, il dit rien. Pauvre GG. Là, on va aller voir. Hé, GG, ça va, GG? Eh non. Il non plus répond pas. En fait, c'est simple. Hein. C'est juste que déjà, je sais même pas ce que donne ma voix actuellement. Je suis même pas sûr de pouvoir en faire une autre. Et puis, si vous pensez que j'ai pété un pont, c'est peut-être vrai. Je ne sais pas. Mais en attendant, c'est vrai que ce jeu, putain, ça a beau être une simulation. Ça a beau être intéressant, mais quand on sait pas quoi faire, on sait pas quoi faire. Et là, vous me regardez pendant je ne sais pas combien de temps, je tourne en rond. Et si ça se trouve, vous avez déjà quitté la vidéo. Et si vous n'avez pas quitté la vidéo, et bien dans ce cas, je vais vous dire à la prochaine, parce que là, ça commence peut-être à faire long. Donc, on va se quitter en regardant tranquillement. Comment qu'il s'appelait encore ? René ? Non. GG ? Non. GG, c'est l'autre. Roger, voilà. Donc, on se quitte en regardant Roger tranquillement. Et on se dit à la prochaine. Au revoir tout le monde.